De temps parce que l'imam même il dit ce que vous venez de dire, il a plein de sens et ça touche et à un moment même ça a failli faire couler celle-là parce que c'est touchant. Eux en tant que religieux, que ce soit chrétien comme musulman, chaque jour leur grand souci c'est qu'il y ait la paix, la cohésion, parce que quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas la cohésion, eux même en tant que guide religieux ils sont pas tranquilles. Et donc, cette démarche que vous avez initiée là, que le Tout-Puissant mette la baraka dedans. Et déjà, il dit que Bondoukou, en tout cas, vous pardonne. Également, il dit que si la population de Bondoukou également a eu à vous faire, à vous offenser également, à votre tour également, pardonner à la population de Bondoukou. Parce que ce que vous dites là, c'est émouvant. Il faudrait qu'il y ait la paix. Et donc, eux, en tant que religieux, c'est leur souci, c'est leur prière pour une nuit et jour. Donc, que Dieu vous accompagne dans votre démarche de cohésion et de paix. Rejoignez-nous au projet.